Eh bien, bonjour à tous, c'est Darkling, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau jeu d'Anomaly qui vient tout juste de sortir il y a même pas une semaine et qui a été fait par les mêmes créateurs que Exit 8. D'ailleurs, si on regarde bien le monsieur, on reconnaît, je pense que c'est le même qu'on croisait à chaque fois dans les couloirs du métro. Et là, bah, du coup, on se trouve dans le métro. Donc, le principe, c'est comme d'hab, hein, on a des anomalies dans certains wagons. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au jeu Sheila's Heart, Shinkansen Zero, où quand on trouvait une anomalie, il fallait revenir au wagon précédent. Et quand il n'y avait pas d'anomalie, on pouvait continuer. Sauf que là, les règles sont un peu différentes. Les règles sont un peu différentes. Parce que si on voit une anomalie, on ne peut pas revenir en arrière. Je pense que le principe c'est juste de survivre. Bon, je me suis un petit peu renseigné pour connaître un peu un minimum les règles du jeu avant de lancer la vidéo. Bon, ça je peux vous l'expliquer directement d'entrée. Et ça fait plaisir d'avoir de nouveaux jeux d'anomalie comme ça. Et les anomalies qu'on rencontre sont vraiment sont plus impressionnants que les anciens jeux d'anomalie que j'ai fait. De ce que j'ai vu, hein, vite fait, sur les miniatures, les vidéos YouTube, tout ça. Donc le principe, c'est d'arriver jusqu'à la plateforme 8, hein, comme pour Exit 8. Donc c'est pas ce chiffre-là qu'on se fie, mais ici. Donc là, je suis toujours à L0. Si je vois une anomalie, je dois juste survivre. Et parfois, on peut se rasseoir. Ah oui, d'accord. Alors, cette anomalie, je ne connais pas. Assieds-toi, s'il te plaît. Je sais pas comment je vais passer, là, par contre, parce que le monsieur me bloque le passage. Eh ? Et il me bloque le passage. Monsieur ? Est-ce que ça va, monsieur ? Ça va, tout va bien. Retourne-toi. Non. Mais monsieur, vous avez vu Suzette? Faut arrêter de faire j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Oui, là, je crois qu'on a un petit problème, Houston. Hein. On a un petit problème. Bah, c'est moi le matin, hein, quand je suis un peu dans le coltard. Ah là, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je fais. C'est tout moi, ça. C'est tout moi. Bon, comme ça, vous me connaissez un peu mieux, vous savez comment je suis le matin. J'ai du mal à sortir du lit. Ah, c'est pas facile, je sais, hein, c'est pas facile. Bon, monsieur, vous écartez, hein, vous venez pas vers moi, hein, s'il vous plaît, vous me laissez tranquille, et surtout, vous me laissez passer. Hop, hein, voilà, vous voyez que là, je reviens en arrière, je suis coincé. Et là, ça fait peur. Il est en plein milieu. C'est pensé à moi de rester sur le côté. Comme ça, lui, il se met sur le côté. Et je peux vite aller courir en passant, là. Monsieur, laissez-moi de la place, s'il vous plaît. Arrêtez. Oh, oh, oh. Comment je vais faire pour passer? Oh, tourne. Ça fait peur. Ouf. Allez, lève-toi. Il fout les jetons, celui-là. Oh, punaise. Oh! Monsieur, j'ai peur des petites filles, maintenant. J'ai peur des petites filles. La prochaine fois que je vois ma nièce, je vais avoir peur d'elle. Alors, si ça continue, hein. C'était une petite fille qui avait l'air d'avoir le même âge que ma nièce, en plus, 5 ans et demi. Mon Dieu! Bah, elle m'a eu, hein. Petite fille plus forte que moi le matin. Moi, j'ai oublié ma tête. Bon, on regarde un petit peu quand même soigneusement. Oui, je trace, mais... J'oublie de vous montrer un petit peu, hein. C'est le moins des choses, hein, de regarder hein, chaque panneau comme ça. Chaque, oui, panneau de publicité. Parce qu'on aime ça, la pub, hein, on aime ça. Évidemment. Zone énergie.
connais pas du tout cette boisson. C'est un équivalent du Red Bull? Oh bah pour l'instant tout va bien. Hein. Toujours à L0. Le but c'est d'arriver à L8. Au secours. Comment dire Ah, c'est embêtant parce que quand tu t'assois, tu peux pas tout de suite regarder à gauche à droite. T'es obligé d'attendre 2-3 secondes. Bon, L0, d'accord. Je fais comment pour survivre? Bon, aussi, petite précision, là on peut jouer avec le pad, avec la manette, avec le pad Xbox, bon, selon les manettes pour PC que vous avez, évidemment. Mais vu que j'ai l'habitude maintenant de jouer au clavier pour les jeux de ce genre, voilà, je continue au clavier maintenant, ça me va très bien. Moi, je fais comment pour pas me faire attaquer par l'anomalie? Parce que même si je reste assis tranquillement pendant quelques secondes, ça s'en va pas. On ne peut pas revenir en arrière, on peut rien faire. Ah, se raser, c'est bien, mais tous les jours, ça abîme la peau. C'est pour ça que moi, perso, je me rase qu'une fois par semaine. Non! Tu me fais peur, là! Ah, bah, voyez? L1. Ça change un peu le principe par rapport à tous les jeux d'anomalie qu'on avait vus jusqu'à présent, où il fallait à chaque fois retourner en arrière quand on voyait quelque chose qui n'allait pas. Bon, évidemment, si je finis le jeu trop vite, on recommencera pour voir tous ensemble un peu plus d'anomalies. Ce serait plus sympa. Puis je ferai des montages pour pas que ce soit trop long et pénible pour vous, évidemment. Vous voyez, même si je continue d'avancer alors qu'il n'y a pas d'anomalie, bah, je retourne pas à zéro apparemment. Sauf si je me fais avoir. Comme la petite fille qui m'a eu. Elle m'a fait peur. Je fais gaffe. M'assois. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, y a plus rien, y a plus de bruit. Allô? Je regarde. À gauche, à droite. Quelqu'un? Oh, c'est silencieux tout d'un coup, ça fait flipper. Hein? Mais je suis coincé. Je dois faire quoi là? Ça fait peur. Je vais là. Papa. Cette ombre me fait peur. Voilà. Oh, c'était Space. Ah, c'était trop Space. Je vous le dis, les anomalies dans ce jeu sont vraiment incroyables. L2. Très bien. Ah, c'est pénible, par contre, si je meurs, je retombe à zéro, mais bon. Là, ça va, j'ai pas insisté. Comment dire que ça donne pas envie de continuer là? Je vais encore me faire avoir. Ne vous inquiétez pas, je m'assois juste. Alors, ça disparaît pas? J'entends respirer, vous entendez? Non, il peut pas revenir. Hein. Bon, là, je fais comment? Je fais comment là? Attends, je vais essayer les autres portes. Oh! Oh, arrêtez de me souffler dessus! C'est la panique.
Ah, c'est bon, il est parti. Ah, c'est bon. L3, il est parti. Il me fait peur, ce souffle-là. Cette espèce de monstre invisible. Attends. Il faut que je regarde les affiches. Pas d'anomalie. Maintenant j'ai l'impression d'entendre respirer là. Ok, toujours L3. Oh! Au secours! Je vais me noyer. L4. L'eau a disparu. Pas mal, il se passe des choses dès le début. C'est cool. L4. Oh non, mais maintenant j'entends toujours respirer dans mes oreilles. C'est un truc de fou. C'est dans ma tête que ça se passe ou quoi? Ça y est, je deviens parano déjà. Regarde aussi les reflets, on sait jamais sur les reflets. Comme dans le jeu de Chillaz, dans le train Shinkansen Zero. Le monsieur dans le reflet, il est normal. Ouais. Les affiches. Ouais, tout est normal. On continue sans risque de mourir. S'approche de moi! J'attends que qu'il fasse noir. Oh putain! Oh non, je suis tombé à L0. Et voilà, bah c'est ça, c'est survivre. Bon, c'est bien que les règles changent comme ça. Ça casse un peu la routine. Mais là, j'ai pas pu la passer, elle est au milieu. Ah, désolé pour ce cri d'effroi. De toute façon, dans le montage, je baisserai un peu le volume, hein, y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L1. Oh là là. Oh, cette frayeur. C'est un truc de fou. Et encore, on n'a pas tout vu. Il y a des trucs encore plus fous qui nous attendent. Vous savez ce qu'on dit, hein? Jeu de main, jeu de vilain. On se calme, hein? Non, hein? Arrêtez. Vous arrêtez de me harceler comme ça. Je crois un truc bizarre. Ah non. Est-ce que son reflet est normal? Ouais. L2, très bien. Pour l'instant, j'ai survécu. Dommage qu'ils expliquent pas les règles dès le début, même dans les menus. J'ai regardé, c'est pas expliqué. Oh non, pourquoi je suis retombé à zéro? Oh bah non, mais. Mais pourquoi je suis retombé à zéro? Bon, elle, on va essayer de la passer cette fois.
On trace. Ah zut. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Pas facile. Ah, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Je peux m'asseoir? Vous me laissez une place, s'il vous plaît? Non? Ah bah bravo, personne me laisse de la place. Et tout le monde se ressemble. Hein? Bon bah je retourne en arrière alors. Hein. Bah. Je fais quoi alors? Oh c'est marrant, les reflets c'est différent. Ah il faut s'asseoir. Ah d'accord, pas mal. Ok, bah, merci de m'avoir laissé la place, c'est très gentil. Hein, franchement, vous êtes sympa. Je vous ai mal jugé. Bon. C'est un peu long le trajet, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ils sont pas très causants. Pas très très causants. Bon, bah, sur ce, je vous laisse. Bonjour petite fille. Tu vas pas... Tu es gentil, n'est-ce pas? Tu vas pas me faire de mal, hein? Ah, il faut toujours attendre 2-3 secondes avant de tourner la tête. Tu sais que tu fais un peu peur comme ça. T'as beau être mignonne, avoir l'âge de ma nièce, c'est quand même effrayant, là, non? C'est malaisant. Hein je sais que t'as envie de jouer, mais je suis pas ton tonton. Et faut que tu retournes avec ton papa. Hein. Tu me laisses passer s'il te plaît. Tu veux bien me laisser passer s'il te plaît. Ah, c'est gentil, tu m'as laissé passer. Qu'est-ce que tu as marqué? Trouve-moi. Trouve-moi. Tu sais, j'ai pas très envie de jouer à cache-cache. Là, je suis un peu effrayé et j'ai des choses à faire. Ah, il faut vraiment la trouver. Bon, bah, on va trouver alors. Hein. Dans les reflets. Coucou! Je t'ai trouvé! Je t'ai trouvé. Ah, c'est pas mal. Tant qu'elle me fait pas de mal. Ok, L2. Ah. Ne regarde pas derrière toi. D'accord, je ne regarde pas derrière moi. Je ne regarde pas derrière moi, je continue. Je ne regarde pas derrière moi, je continue. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vraiment original, hein, ces anomalies, vous avez vu? Vraiment incroyable. T'as des petits jeux comme ça, en plus, je m'attendais pas à ça. Quand nous sommes renseignés pour connaître un peu les règles... C'est une des anomalies vraiment incroyables. Ah, il faut pas se faire, faut pas se faire avoir par la main. J'évite les vitres. Oula, doucement quand même. Ok, je me mets juste entre les deux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L4. Allez, la moitié, courage. C'est un truc de fou.
ne pas ouvrir. D'accord, ne pas ouvrir. Il est où? Ouais, juste en face. Bah, désolé, je t'ouvre pas, hein. Je vais juste là. Il va se calmer, oui, d'un moment. Vous inquiétez pas, il va se calmer. Bon, ça y est, c'est fini. Bah, comment il faut faire pour l'annuler? Comment on fait pour l'annuler? D'accord, j'ouvre pas, mais pendant combien de temps? Parce que là, je peux pas revenir en arrière. En m'asseyant, ça ne disparaît pas. Bah, je sais pas, on va attendre. Ah, bah voilà. Ok, il fallait juste attendre. Ah, vraiment pas mal, hein, ces idées. Attends, qu'est-ce qui est marqué, là? No look. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je fais comme ça à reculons ou... Je ne regarde pas. Heureusement que je comprends quelques mots comme ça en anglais, quand même. Mais pendant combien de temps je dois pas regarder? Je continue de reculer comme ça. Mais non, mais je t'ai pas regardé. Comment je pouvais faire là? Là-bas, 9, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bloqué! Et là, qu'est-ce que ça dit? Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Je ne comprends pas. C'est même pas dans l'ordre. Huit, neuf, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et là-bas, faut faire neuf fois, c'est ça? C'est bizarre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là-bas, 4. 1, 2, 3, 4. Ah bah c'était ça en plus. Par contre, c'était un peu moyen cette idée. C'était un peu bizarre.
Bonjour tout le monde. Ah, c'est un peu plus vivant là. Ah. Faut pas toucher les personnes, c'est ça? C'est ça le but. C'est passer sans toucher les personnes. Bon, ils ont un peu tous la tremblote, hein. Ils sont très impatients d'arriver, j'imagine. Attends, voyons si je m'assois. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont disparaître. Sinon, faut vraiment se frayer un chemin. Surtout pas les toucher. Sinon, j'ai perdu. C'est ça, faut pas les toucher. Bon, elle est très heureuse, hein, ça se voit. Ça fait plaisir à voir. Ils ont tous le sourire. C'est pas commun, ça. Bon, L2. Ah oui, bah là. C'est assez original. Je regarde juste comment c'est fait. Ouais. Bon, il n'y a pas de règle particulière cette fois. Hein. Évidemment, faut pas être curieux, faut pas y aller, sinon on est mort. Hein. C'est logique. Et on recommencerait à zéro. Ah, c'est pour ceux qui seraient curieux, voyez. Je vais pas tomber dans le panneau. Il est bizarre le reflet, hein, non? C'était peut-être le reflet d'un reflet. Ok, le 3. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a disparu! Hein? Mais. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quelque chose? Ah! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu me regardes comme ça. Ah! C'est pas vrai, je pensais pas qu'il allait se rebeller. J'aurais pas dû lui parler comme ça. Pardon, monsieur, j'aurais pas dû. Ah, il est pas content toujours, hein. Mais il faut vous calmer, monsieur, hein. C'est bon, je m'assois, je suis tranquille. On est ok, on est cool. Hein? On est cool. Ah, c'est le même truc qu'on a eu tout à l'heure, faut pas le regarder. Mais comment je fais pour passer sans regarder? Ah, comme ça. Ok, c'était comme ça, tout simplement. Je pensais qu'il allait reculer en même temps que moi quand j'étais en train de reculer sans le regarder tout à l'heure. Attention, c'est rouge. Ne pas get off. Get off, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, get off? Ah, je sais pas par contre. Get off. Faut s'asseoir ou au contraire, il faut vite tracer et aller dans le wagon suivant? Ça veut dire quoi, get off? Je sais pas par contre.
Oh non, j'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Il fallait rester assis. Je me suis levé trop tôt, c'est ça? Ah, L1. Finalement, j'ai réussi quand même. Oh, encore toi? Tu veux encore jouer? D'accord, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ok, je ne bouge pas. Ah, c'est quand la lumière est éteinte que je dois avancer. Quand la lumière est éteinte, je vais avancer. C'est le jeu du 1, 2, 3 soleil. A disparu. Pas mal. Pas bouger que quand l'émir était éteint. Pas mal. Je rêve? Mais pourquoi, Zéro? Mais j'ai réussi une épreuve. Je proteste. Mais c'est une anomalie. Ou alors peut-être il faut le provoquer et aller vite là-bas. Ah, c'était ça. Ah bah c'était ça. Fallait l'engager. Ok. Je. Mais là c'est la même que tout à l'heure où il faut. Ah mais oui, mais je l'avais perdu, c'est pour ça. Faut le réussir pour ne plus retomber sur cette même anomalie. S pour reculer. Ne confondons pas les boutons, s'il vous plaît. Je l'ai passé! Ouf! Sauf qu'il peut! Je l'ai réussi! Enfin! Monsieur! Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, je vais porter plainte pour droit à l'image, hein! Vous n'avez pas le droit, hein! Non mais. C'est l'abus, ça, c'est de l'abus! Oh, des mains! Jeu de mains, jeu de vilain! Il y a un petit problème là. Un petit problème de brouillard. Voilà, on est sorti du métro. L9. Maintenant, je dois aller où? Je suis ces lignes?
Ah mince, je vais me perdre dans le brouillard après. Oh non, on voit plus rien. Ah bah super, je me suis perdu. Et voilà, le métro est parti sans moi. Bah j'ai plus qu'à y aller à pied, hein. Ah bah j'ai débloqué un succès pour finir. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god! Attends. L'autre côté, il n'y a rien. Ça va, monsieur? Vous avez pas vu qu'un... Oh! L'autre côté aussi! Monsieur... Attends, est-ce qu'il me suit du regard? Ah, il me suit du regard. Oh là là, c'est flippant, ça, hein? Faut arrêter, hein? L'attaque des titans, c'est pas dans le métro, hein? Je me suis vraiment du regard. Oh là là. Moi je m'en vais. Oh, je suis L8. J'ai réussi L8. Comment on fait? C'est par là? Oh non, mais je suis arrivé à L8, ça devrait être fini! Oh, c'est un, deux, trois soleils. On l'avait vu tout à l'heure. Oh les fourbes! Il a allumé de suite. Oh, ça y est, on est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? On est enfin arrivé. D'accord, bah je descends, c'est ça? Ah bah j'ai réussi! Oh, c'était pas trop mal. Ah bah allez donc. Bon, pour tout vous avouer, j'ai fait... Bon, vous avez vu, de toute façon, j'ai fait quelques coupures. Et des moments, j'ai galéré. Les anomalies que j'ai déjà rencontrées, j'ai remarqué que ça revenait pas. Donc j'ai dû effacer la partie et recommencer le jeu. Et là, sans le remarquer, je suis arrivé facilement à L8. Maintenant, j'ai recroisé des anomalies que... Bon, au début, j'ai un peu du mal. Et maintenant que j'ai réussi à les passer, j'ai connaissé un petit peu. 18? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi je suis revenu là? Anomalie. Ah, c'est les nombres d'anomalies. D'accord, j'ai rencontré 18 anomalies. Moi, je suis très content de vous avoir montré un maximum. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'anomalies dans ce jeu. Ah oui, ça, bon. Voilà, j'avais réussi à le passer. Du coup, je pense que dans le montage, je vais vous montrer... Enfin, je vous aurais montré... Ce que ça fait quand on ouvre, quand on se fait avoir. Bon, on va laisser la personne derrière la porte. On va laisser galérer. Et bah, on va se laisser ici, hein. On va s'asseoir tranquillement. Puis je vous dis, portez-vous bien et à demain pour le live sur la suite de FNAF 7. Allez, ciao tout le monde! Mais je l'ai pas eu cette anomalie. Oh, on se croirait dans un parc d'attractions, dis donc. Oh, trop bien. Oh, finalement, je vous dis pas au revoir hein, de suite. Oh, c'est énorme. Attendez. J'essaie de passer. Tant bien que mal. Oh là là. Oh mon Dieu.
C'est des anomalies de fou, ça, c'est excellent. Il en reste plus que 16, d'accord. Ah, mais non, c'est ceux que j'avais déjà croisés. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand je sors? Ah, bah oui, c'est. Ça fait boum, hein, ça fait boum. Tu es encore là? Coucou! Je t'ai trouvé! On joue pas avec les portes comme ça, hein. Ça se fait pas, hein. Non mais... Tu rentres ou tu sors? Faut se décider. T'en vas quand tu veux, hein. Ça y est, t'as fini? Non, toujours pas. Quand t'en auras marre, tu me le diras, hein. Ah, c'est bon? C'est fini?